voilà mon galon d'eau de Javel qui est installé. J'ai mis une cloche à gâteau sur le dessus pour protéger de la pluie, avec des grandes portes, deux baguettes assez larges pour les gros oiseaux. Et puis les épingles à linge que je vous ai expliqué qu'on peut mettre pour bloquer les toits des silos quand ça débarque avec le vent. Ici aussi, j'ai mon gros silo avec des épingles à linge. J'en ai mis deux pour être sûr que c'est bien bloqué, pas que ça parte au vent. Et puis, ce grand silo-là, juste en dessous, mon ami Chantal a fait installer un bain d'oiseaux qui est à l'envers. Alors, ça fait un blocage pour les écureuils. Alors, c'est vissé sur un morceau de bois qui est vissé sur la mangeoire et puis sur le bain d'oiseaux. Puis, les oiseaux peuvent venir ici. C'est très facile d'accès pour eux autres. Et puis, vu que c'est tout troué, alors j'ai profité de l'occasion pour installer quelques mangeoires avec des crochets. Alors, différentes mangeoires. Ça fait un support en même temps. Et puis, le poteau est inséré dans une grosse poutre en bois qui est creuse, là, faite avec juste quatre panneaux de bois, quatre madriers, qu'on a remplis de gravelle. Alors, mon poteau de métal descend dans la gravelle, ce qui fait que c'est assez solide. Voilà un petit terrain qui mange au sol, les graines qui tombent. C'est pas chaud aujourd'hui. Ici, on a un autre terrain des pins avec un petit bruyant familier. Un petit vent frais ce matin. Puis ici, j'ai mon abreuvoir. Un abreuvoir à poule. C'est très pratique parce que je la laisse tout le temps. Les oiseaux peuvent rentrer à l'intérieur. De la pluie, ça loge très bien. Il y a mon petit canot d'écorce que j'aime bien. Des grosses bûches. Ma petite brouette. J'ai fait un tutoriel pour vous montrer comment la fabriquer. Une petite chaise berçante. Ça chante les petits oiseaux, hein? Des petites mésanges et un jonco. Là, il reste encore un peu de neige qui est tombée en fin de semaine. Salutations à tous!